Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La bourse de Paris limite ses pertes à la mi-journée, mais la tendance reste lourde. Les inquiétudes sur la question de la dette souveraine de part et d'autre de l'Atlantique pèsent encore sur les marchés. Le CAC 40 plie actuellement de 0,22% pour se négocier à 3834 points outre-Atlantique. Donc la dette rend les marchés très fébriles. Le psychodrame autour du relèvement du plafond de la dette souveraine américaine reste encore à son paroxysme, et ce malgré de multiples tractations en coulisses. Aucun accord ne semble poindre pour rehausser la capacité d'emprunt des États-Unis, qui est actuellement à 14 300 milliards de dollars, alors que la date fatidique du 2 août se rapproche dangereusement. Malgré tout, les analystes tablent sur une issue favorable de dernière minute. Une paralysie sur le dossier menacerait en effet l'excellente signature de la dette américaine. Et puis, par ailleurs, la Grèce est loin de dormir sur ses deux oreilles après le second plan de sauvetage. Moody's a rompu la précaire quiétude qui régnait sur Athènes en dégradant de 3 crans la note de la dette à long terme de la Grèce pour la reléguer désormais à 1 cran seulement du défaut de paiement. Du côté des autres places européennes, le DAX oscille autour de l'équilibre à 7323 points, tandis que le FTSE à Londres on redonne symboliquement 0,10% à 5929 points. Sur le front des valeurs, Unibail Rodamco avance toujours à contre-courant et progresse de 1,36% à 159,80 grâce à HSBC qui est venu en soutien du titre qui entame la couverture de la foncière à surpondérer avec un objectif de cours de 175 €. EADS grimpe de 0,93% à 25,06 € et c'est encore un broker qui vient en soutien, et c'est Bank of America qui porte son objectif de cours sur le titre de 24 € à 28 €. Les valeurs automobiles tirent leur épingle du jeu avec Peugeot qui monte de 1,58% à 30,57 €, Michelin de 1,12% à 64,23 €, tandis que Renault grappille 0,51% à 38,54 €. L'équipementier automobile Valeo cède pour sa part de 20% à 46,17 €, le groupe étant inquiété par la justice aux États-Unis et devra vraisemblablement encourir des sanctions pécuniaires. A contrario, Faurecia prend la tête de l'indice SBF 120 et bondit de 3,40% à 30,45 €. Le compartiment financier fait l'objet de dégagements sur fond de crainte sur le dossier de la dette américaine et après la dégradation de la note grecque. Crédit Agricole plonge de 3,66% à 9,09 €. Société Générale recule de 3,09% à 36,90 €. BNP Paribas de 2,73% à 47,48 €. AXA glisse de 2,51% à 13,97 €. Et pour finir, Natixis de 1,58% à 3,31 €. Saint-Gobain est en baisse de 0,25% à 42,37 €. Le groupe a signé un accord avec le britannique Wolseley pour le rachat du réseau Build Center et de Brossette pour un montant de 165 millions d'euros. Orcac, Filmalac, la maison mère de Fitch, est stable à 27,80 € après avoir évolué dans le vert dans les premiers échanges ce matin et après avoir annoncé une croissance de 16% de son chiffre d'affaires à 515,8 millions d'euros sur les 9 premiers mois de son exercice 2010-2011. Statorius Stedin Biotech tire son épingle du jeu et flambe de 4,29% à 50,06 € après ses excellents comptes semestriels. Parmi les valeurs fortement à la peine, JC Déco signe l'une des plus fortes baisses du SRD et plonge de 3,35% à 20,35 €, plombé par Citigroup qui est venu dégrader le dossier pour le passé d'achat à conserver. Puis pour finir, dans les petites capitalisations, TK mord la poussière et s'effondre de 41,32% à 5,07 € après avoir dévoilé des comptes fortement déficitaires et annoncé des perspectives plutôt sombres pour l'ensemble de son exercice 2011. Sur le marché d'échange, l'euro remonte face au dollar à 1,43,96 €, profitant du point mort autour de la question sur le relèvement du plafond de la dette américaine. La monnaie unique européenne plie de 0,28% à 112,42 € face au yen, tandis que le billet vert
Le billet vert faiblit, face à la monnaie nippone à 0,41%. Et puis du côté des commodities, le baril de pétrole fait marche arrière pour les mêmes raisons. Le WTI perd 0,42% à 99,45$ et le Brent 7,061% à 117,94$. Et le métal jaune, à contrario, profite de cette tension sur les marchés pour atteindre un nouveau record à 1616$ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.